Bonjour. Bonjour, petit déjeuner. Petit déjeuner, aujourd'hui on se met en mode jury. Pas The Voice, mais pour les égéries Fitness Park. Donc il y a eu 10 personnes qui ont été sélectionnées parmi les votes. Il y en a 5 à repêcher. Et c'est PJ et moi-même. Ouh, et c'est. Donc là, on a commandé de la prod. Voilà. Shaker. On avait demandé un shaker de whey là. On est lundi matin, on revient du séjour à Istanbul pour la sortie de la collection Bodytime. Et normalement on devait. Excuse-moi, normalement on devait pas porter les ensembles, on voulait pas trop spoiler. On a pas pu s'empêcher. Et donc, ça arrive bientôt, fin juillet, soyez présents, ça va être du très lourd. Un peu de fatigue, pas j'ai de muscu. Un peu content là. Non, ça va, et en plus c'est la lumière à contre-jour, t'es beau gosse. Ah. Attends, est-ce qu'il encore alors. On pose des questions. Il y a quand même de la prot, hein. On est pile à l'heure. Presque. Bon. Ça va commencer. On est un peu trop souvent sur les tables d'école en ce moment. Et surtout, trop de trucs chez Tal. C'est pas bien ça. Mais bon, cette fois-ci, c'est nous qui jouons. Il y a moins de choses à faire. Et l'idée de remplir les différents critères qui ont été du coup cités par Jean-Gérard, pour qu'on ait bien entendu le physique, parce que ça reste des égéries, ça reste un casting. Bon, c'est chaud à choisir. Hein. Franchement, nous, on veut prendre tout le monde. Allez, parle. J'ai juste rigolé. Ça y est, terminé. On a choisi les finalistes, les égéries, Fitness Park. C'était chaud. C'était très dur de choisir. Ça va être lourd. Et normalement, il n'y en avait que 15. Et il y en a eu un 16e parce que on n'arrivait pas à se mettre tous d'accord. Voilà, c'est ça. Et là, on part à l'aéroport Orly, direction Alger. Pour CrossFit Algérien. Ah, ça va être lourd. Après plus d'une heure et demie de fil. Pour passer l'immigration. Pour les valises. Et après, il y a l'immigration. Ah là, ça commence bien. Ça, Alex ? Ça va et toi ? T'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai attendu. Et toi ? 2 heures d'attente. Pour l'avion, 2 heures de retard, on attend les bagages, on attendait pour sortir, on attendait tout le temps. Ça coûte 2 heures. Mais on arrive à Alger, c'est parti, CrossFit Algérie, on arrive. T'as ma valise. Ah. Bon, 20h, on est arrivé dans la chambre. Bon, la chambre elle est top, bien sûr. La direction, la salle de sport de l'hôtel, parce qu'on n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui après le repas. Et premier rendez-vous pour préparer demain, donc on va voir Jamo et tous les gars CrossFit Algérie pour se mettre au top du top pour demain. Bon, c'est parti à la salle, on attaque. Pec, couché. Donc là on est en direct du Sofitel. Normalement on n'a pas le droit de filmer. Non. Alors on parle doucement. Est-ce que le nouveau BT fait pousser un peu plus? On va voir. On allait prendre tous les disques de la salle. Tout Modena, ma voix sur un PG, stratège d'Athéna. Demande ta PG, la pêche, pas de débat. J'esquive la dèche pour la fraîche dès le départ. J'connais le bis comme la nœud dans ma turbo. Hater sur le net, on n'a pas connu plus bas. Tenu de DZ comme le fidèle de Cuba. Venez me noyer, moi je cacherai tu bas. En NTAR, monte le son, fais pas de manière. Bon, on est passé à l'incliné. Franchement, on est des grosses merdes. Oui, oui, je confirme. Mais vraiment, ça fait de la peine, hein. Il va falloir s'y remettre sérieusement. Je pense qu'on va même commencer une série sur YouTube où vous allez voir à quel point il faut qu'on reprenne et on va faire que du sale. Bon, bien sûr, il n'y a pas tout, on peut pas tout faire, donc on passe. Écartez les poils et regardez-vous, c'est le beau gosse. Est-ce que vous avez vu les petites mèches? Quoi ça? Ah, c'est le soleil, c'est naturel. Écartez les poils, ceux qui me suivent dans le traumatisme, vous connaissez, on peut pas mettre très lourd. C'est comme un écarté incliné, sauf qu'il se rend pour les épaules. Et normalement, ça pique. Ça pique, Alexandre ? Oui, on s'en pique. Vous avez pu voir, encore une fois, on a dit qu'on ne mettait pas avant la sortie. La nouvelle collection, bien sûr. Tout on ne spoil pas. Tout est respecté. Bah, vous savez que ça va être lourd, sortir à fin juillet. Bon, je viens d'appeler PJ, il devrait sortir. Donc en fait là on est au Hilton et en plus on est dans l'étage luxueux. Donc franchement on est super bien reçu par CrossFit Algérie. En fait CrossFit Algérie, ils font un gros événement de 90 jours pour tous ceux qui veulent se transformer. Donc c'est du CrossFit pour tous ceux qui veulent se transformer, pardon, à Alger.
Et après ces 3 mois-là, ça devient une grosse salle de sport. Ils nous ont montré les équipements qu'ils ont pris. Ça va être un truc de malade. Et ils vont essayer bien sûr de développer une chaîne. Ils sont déjà sur le deuxième, puis le troisième. Donc je pense que ça va être un très très gros truc qui se prépare en Algérie. Et ça fait plaisir en tout cas. Il est là. Bonjour. Bonjour. C'était pas beau gosse. Ah bon? Putain les mecs. C'est nouveau ça? C'est nouveau ces chaussures là? Ça... Hades. C'est bien, il est vers les légumes. Je te marre comme ça. Parce que derrière, c'est pas la même chose. C'est pas comme s'il n'y avait pas le choix en plus. Petit tête à tête. Moi j'ai pris piment, courgettes, haricots verts, poulet. Piment il fait 40 cm. Regarde le piment. Il y a un peu de beurre, du poulet, et une petite tarte je sais pas, champignons j'ai l'impression. Moi pareil, des légumes, du blé, du bœuf je pense. Ça je sais pas ce que c'est, il y a des légumes dessus avec du pain et un peu de croque-monsieur. Ah là 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 là, Oussama. Ça va? Ça va et toi? Regardez les bronzés, super ils sont mal. Bronzés, je dis pas bronzés. Ça va? Tranquille. T'es beau? Alors, il paraît que tu t'entraînes plus là. Moi je suis en vacances en ce moment. Toujours j'ai mangé de tchèque-tchoukar, allez. T'as pas fait un peu de... T'es pas passé au Botox un peu là? Un petit peu, ouais. Non, ça c'est les, tu sais, ça c'est les c'est le couche-couche de ma mère. Ah, il remplit les joues. Je vais remplir les joues. Sérieux, ouais. Ça va la forme? Ça va, tranquille, hein, et toi? Super. On va aller parler un petit peu de demain, comment ça va se passer. Demain, ça va être du dégueulasse. Vous faites du sale, je fais du dégueulasse. On va mettre du sale et du dégueulasse ensemble. Oussama, qu'on n'a pas encore présenté, je crois. Hein. Ouais, ça c'est hein, on l'avait pas présenté. Oussama, bien sûr, le grand organisateur. C'est lui qui organise, bien sûr, cet événement, qui possède la salle qui sera ensuite au même emplacement et toutes les autres. S'arrête parce qu'on était en train de... Bon, ça faisait plaisir de revoir Jameau. Il fait rire, hein, Jameau. Il fait plaisir de rire. C'est vraiment un bon gars, et là... On va s'écoucher. On va être en forme demain. À demain. Chacun de son côté. Allez, va. Bonjour. Bonjour, j'ai mangé que de la prot. Max, il était en retard. Alors, je termine sur une petite crêpe. Manger quoi, omelette? Un bouillé, blanc d'Inde, une tranche de pain. Pas compliqué. Propre. C'est parti. On est chaud. On est chaud, CrossFit Algérien, on arrive. En mode oriental reggae. Allons-y, un ami. Ça y est, on arrive. Oh, c'est immense. Oh, ça a l'air, on se croirait aux États-Unis là. Bodytime, ça va? Tu viens de Bordeaux. Enchanté. Tu vas bien? Bodytimer. En fait, Jameau est en train de m'expliquer. Bon, là, c'est la folie. L'équipement, la salle, c'est immense. Énorme. Et Jameau est en train de m'expliquer qu'il va s'associer, il va valider les salles ici. Et il est en train de tout réorganiser pour que ce soit vraiment à l'américaine comme lui veut. Des grosses ouvertures, plus de lumière, un sol de fou. Et surtout là, c'est équipé, mais avec du matériel de malade. Mais, c'est pas, mais on n'a pas encore fini. Regardez comment c'est énorme. Combien il y a? 3000 mètres carrés. Plus, je crois plus que ça. Plus mais, ouais. Bon, plus ça va être la folie. Il me fait rire. Il me fait rire, Juste, il est là, il me fait rire. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, nous c'est Alex et PG. On fait partie de la chaîne YouTube Bodytime, la première chaîne YouTube française sur fitness, comme Jameau. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur YouTube. Alors, je ne vais pas trop redire ce qu'il a dit Alex, je suis d'accord, bien sûr, surtout. Juste déjà, première chose, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un événement, ça va être ouf. Il y a un super précis de l'âme. Et comme il a dit d'ailleurs, c'est qu'on peut savoir d'où viennent les fans. La première ville, c'est Paris. La deuxième ville, c'est Algérie.
c'est qui nous a rejoint, enfin qui était là avant nous. Lolo le S. Lolo de Delcourt. Soso officiel. Et là on va manger, Samaïl est là. Jamo bien sûr. L'Axela, 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 l'Axmes. Oh là là, on va se casser le ventre. PJ, il va arriver. Merci, c'était très bon. Allez, on retourne pour l'après-midi. Merci beaucoup, c'était très bon, hein, le poulet. Hein. Toujours du monde. On est là, on revient pour l'après-midi. Bien mangé. J'ai dormi. J'ai bien gonflé. Là, on va tenter de faire voler le drone. C'est la première fois qu'on essaye en intérieur. Donc, on va voir, on essaye déjà où c'est libre. Comme ça, au cas où il tombe sur personne. Et en vrai, en Algérie, on a eu de la chance que de ne pas se le faire saisir parce que c'est interdit. On t'envoie une basse tous pour plomber l'ambiance. Bouge ta tête sur la prod, c'est ta dernière danse. Instru stressant, chaque beat s'accorde leur tacle. Yo! Bon, terminer les photos et tout, alors t'en as pensé quoi, Jamo? C'est super, c'était un plaisir. Il faut qu'on fasse la synergie, c'est ça que j'ai dit à tout le monde. Lorsque je fais des collaborations, il faut que ça soit spécial. Avec Bolitam, depuis jour J, le jour 1, c'était spécial, c'était spectaculaire, il y avait beaucoup d'amour. C'est agréable. Arrête l'agréable, il va commencer avec son agréable. Faut faire très attention avec lui. Donc c'était super, heureux de vous avoir avec moi ici à CrossFit Algeria, aussi Hangar Gym dans le futur qu'on va développer, c'est un concept super et on refera ça. C'est que Jamo il va valider la salle. Il faut que je valide. Ah, et ça va prendre du temps. Comme hein. Ça vous allez la voir, ça va être du, ça va être du dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas du sale, c'est pire. Dégueulasse. Une gueule. Nouvelle journée, on attaque à la salle. Bon, on va faire les jambes, il n'y a pas grand chose. On va se faire un peu de press, on va faire l'endurance. Press, on met le max de poids. Et je pense qu'on fait au moins 30-40 reps. C'est dur ? Fais pas semblant. Ouh. Ouh, ça force. Donc voilà, après on va faire pas mal de fonds sautés, squats sautés. C'est comme ça. Déjà, pour monter l'intensité, on fait toujours en tempo. On retient. Pas 4 secondes de phase excentrique. On pousse assez explosif. On garde toujours une contraction. Allez. 47, 48, allez go, allez, 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 et 5. Est-ce que c'est horrible les séries comme ça? Allez, les cuisseaux. Bon, après le training, piscine, au calme, et ils nous ont donné un bed. C'est gentil, mais on va peut-être pas s'allonger tous les deux. Et en tout cas, vraiment, l'hôtel il est énervé. Et là-haut, je sais pas si vous allez voir à travers, c'est le monument d'Alger. Tu souviens le nom, Alex? On va aller visiter, je pense, de toute façon, cet après-midi. Bon, c'est parti. Bon, on rigole parce qu'en fait, j'avais tué son prénom. Donc, notre guide aujourd'hui, c'est Ayoub. J'avais mis un S au départ. Je l'avais remixé. C'est le frère d'Oussama que vous avez vu hier. Et même je peux mettre un H à la fin. Ça youpch. Ça me dérange pas. Hein. Et donc on va manger et après visite de la ville. Bon repas pour moi, carpaccio de bœuf. Ouais, Alex, je sais même pas ce qu'il a pris. Je suis au téléphone avec Idir. On parle parce qu'il y a un projet qui vient de sortir. Pas de pub, pas de pub. Pour tous ceux qui veulent aller checker. Et on était contents des retours. Et Amine nous a rejoint aussi. Ça va la forme? Très bien, et vous? Les besoins de dormir. Et vous, tu les vous vois, tu peux les tutoyer. Ah oui. On enchaîne le repas. Bon app les gars. Et à la télé, il y a le match. Ça sent bon, hein. Alors j'ai un poulet farci à la viande hachée. Ça sent très très bon. Moi, salade César. Avec des légumes et un peu de pommes de terre. Voilà. Et tout à l'heure en entrée, c'était un camembert pané avec de la salade. Je me rappelais plus ce que c'était. Bon, on a fait demi-tour quand même pour vous montrer. Il y a un mec à cheval, à contresens, sur la bretelle d'autoroute. Normal. Au calme. Ça a choqué personne. On l'a croisé. J'ai mis 10 secondes à sortir la caméra à filmer. Le temps de réagir. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais en train d'halluciner. T'as trop mangé, t'es en train d'halluciner. Avec la... Je vais leur dire que c'est quand t'as mangé ou pas? Bah, ok, on a fini avec un tiramisu. Un cœur à quoi?
Un tiramisu à la fin. Voilà, mais à la quoi? T'as mis quoi? Ah, à la quoi? Ouais. Nutella, spéculoos Nutella. Alex aussi, je poucave aussi. Si, on l'a pris tous les deux, ok. Je vous le refilme, on va le recroiser là. Regardez-le. Ah, ouf. Donc voilà, première visite, monument des martyrs, qui a été offert par le Canada, c'est ça? Exactement, ouais. Pour l'indépendance de l'Algérie, on en parlait un peu. Vachement intéressant en tout cas si vous voulez aller voir. Alors on va faire une chaîne Body Time Info. Body Time Discovery. Et la vue avec l'hôtel, le port et tout. T'es ému? Bon, hein. Là on vient de passer place Audin, on arrive à la grande poste. Donc ici c'est très animé le soir, hein. Ouais. Là-bas, vous voyez, c'est Notre-Dame d'Afrique avec le drapeau tout ça. Du Vatican. Et là, tout ça. Donc là, ce qu'ils nous racontait Ayoub, c'est que il y a d'un côté, il avait la croix, de l'autre côté, il avait la Bible. Et les terroristes, ils avaient coupé la croix, mais ils pouvaient pas couper la Bible parce que c'était la livre de Dieu. Et après cette visite, on termine avec de l'eau et un cocktail pêche givré, je sais pas quoi. Merci beaucoup au guide. Pas de soucis. Franchement, c'était un peu se reconvertir en guide. Il nous a raconté toute l'histoire d'Alger, de l'Algérie et du monde entier. franchement, merci. On va manger. On va manger. Ouais, on va manger. Normal, ils ont gagné. Ouais, c'est... ici le principe, tout ce qui est rouge et blanc, ça compte. Donc le drapeau du Canada, Croatie, s'en fout tout. Tous les drapeaux, ils comptent. Même le fumier jamais rouge. Ouais. Ne te cache pas. Tu sais la petite tête de Shaquille O'Neal là. Burger artisanal, on devait goûter. C'était obligé, Ayoub nous a dit il faut, c'est la chaîne de mon cousin, Pepper. Il y en a partout en Algérie, donc on va goûter. Bon, moi je voulais juste préciser que eux ils ont pris des XL et moi j'ai pris normal. Bon, on va vous raconter, le retour il est difficile, il est délicat. On est avec Anis, le pauvre, il nous a posé là, on devait prendre l'avion à 9h30. Sauf qu'à l'aller on n'a pas pris le premier billet, donc ils ont annulé le billet de retour aussi. C'était trop tard après pour changer les billets. On a pris un avion pour Paris pour 10h30, sauf qu'après on pouvait pas faire Paris-Lyon. Il n'y avait pas de voiture, enfin il n'y avait pas de covoiturage pour nous, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. On a tout essayé, donc on a de nouveau changé. On a pris un autre billet qui part à 14h à peu près. Sauf que les valises elles étaient déjà enregistrées, donc maintenant on doit attendre que les valises reviennent, que l'avion décolle pour que les valises reviennent. Pour aller prendre notre autre vol. Voilà, et Alex, ton téléphone ne s'allume plus, tout noir. Il est au bout de sa vie. Tout noir. Alors déjà j'attends, avec rien à faire, et je vais devoir rentrer, prendre la voiture à l'aéroport et aller direct au Apple Store. Juste bonne nouvelle pour moi, je sais ma vengeance. J'ai trouvé la vengeance que je vais faire à Alex. Donc il sait pas, ça le met dans le track, et ça va être bien, ça va être même très très bien. Faut que j'organise parce qu'on va être plusieurs à organiser ça et tout. Mais ça va être très très bien, donc restez branchés sur Alex PJ. Ah ouais, ouais, c'est une équipe quoi pour te venger toi. Si tu me mords le doigt, je mords tout le bras. Bon, du coup, on a beaucoup de temps, tout est réglé, on a 3 heures d'attente. On va manger, sauf qu'il y a un gros problème, il n'y a qu'un cheesecake. Un seul. Donc, je vous montre, il est là. Il y a plein d'autres gâteaux, c'est pas le problème, mais il n'y a qu'un cheesecake de disponible. Donc, papier qui est au ciseau en un coup. T'es prêt? Papier, cahier, ciseaux. J'ai gagné. Je lis en lui, comme dans un livre ouvert. Regardez, oh là là, il va où? Il va où? Sur mon plateau. Bon, faut que je resterai sec. C'est une journée de merde pour toi aujourd'hui. Putain, oh. Dégueulasse. Et bah alors? Oh, j'ai mis une bouchée. Déjà, juste déjà, regardez. Fraise, regardez chaude. Juste quand il va prendre une bouchée. C'est... Non, il non, fait, il a une forme pas. Bizarre. Attends, remange pas. Non, il est tellement. Il est dégueulasse à ce point-là. Non. Ouais, ça a pas du tout le goût du cheesecake, ça a pas le goût du gâteau. Ça fait un peu. Tu sais, genre papier mâché. Avec un petit goût de fraise dessus. Non, ouais, c'est pas bon. Goûte, Alex. Non, mais moi j'ai un petit tiramisu tranquille.
J'ai perdu papier et ciseaux parce que je savais.